Bonjour madame, ravi de vous voir. Est-ce que nous nous connaissons? Avons-nous, pour nous réjouir, besoin de connaître la personne? Aujourd'hui, je vous ai rencontré. Croyez-moi, c'est très intéressant. Sur la route, de toujours rencontrer quelqu'un, de parler de la vie, avec les gens et avec ceux qui vont bientôt naître. Est-ce une fille? Oui, les médecins me l'ont appris aujourd'hui. Mais comment le saviez-vous? J'ai vécu trop longtemps, madame, pour ne pas remarquer des choses aussi simples. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour elle. J'ai joué du violon autrefois. C'est pour elle, pas pour vous. Je crois bien qu'elle désire devenir ballerine. Votre fille a un bon goût, madame. Mais où les avez-vous trouvés? Les gens jettent souvent des choses devenues inutiles ou qui ont perdu leur sens. Moi, je les ramasse, je les restaure dans un sens et les redonne encore. Est-ce possible? C'est sublime. Et l'impossible est possible, madame. Parole sage. Est-ce quelque chose de l'écriture? C'est la publicité des baskets Adidas. Eh bien, il est temps d'y aller. Au revoir. Pour toi, Otila, je crois que tu l'as choisi. Les gens jettent souvent des choses devenues inutiles ou qui ont perdu tout leur sens. Les ramassent, les réparent dans un sens, les redonnent à nouveau, à ceux qui en ont soudainement besoin. Peut-être, par exemple, à vous. Bonjour madame, ravi de vous voir.